Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Re, les amis, nous sommes dimanche, le lendemain de la fête à l'Enaya. Là, c'est la fête partie 2. Donc, du coup, nous sommes en cuisine. Ouais, en cuisine, on va faire les tartiflettes. On a commencé par préparer les pommes de terre. Attends, cette fois-ci, ils ne sont pas en miettes. Regardez. Parce que la dernière fois, ils étaient en compote, les pommes de terre. Et quand on l'avait fait, ça sentait dedans que c'était beaucoup trop écrasé. Là, du coup, on a géré à peu près la cuisson. Donc, voilà. Du coup, là, on va faire une tartiflette pour ce midi. On a toute la famille qui va venir, là. Deux tartiflettes. Deux. je me disais, pourquoi il fait ça, là? Deux. On va faire deux tartiflettes parce qu'on va être à peu près... 15, on va... 10, non, 12, 13. Ouais, par là. Ouais, 12, 13. En tout cas, il y aura ma mère. Ma mère, elle revient de voyage aujourd'hui, là. D'ailleurs, elle est venue ce matin. Elle est arrivée à 5 h du matin. Donc, mes soeurs, elles sont parties la chercher à l'aéroport. Du coup, là, après, elle se repose et après, elle va venir pour l'anniversaire de l'Enaya. Donc, du coup, on a prévu deux tartiflettes, les amis. Deux tartiflettes. Vous savez, j'avais dit que je devais faire attention. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la fête. Donc voilà, du coup on va pas vous montrer la recette, hein. On l'avait déjà fait avec vous la dernière fois. Oui, oui, oui. Donc là c'est une tartiflette quoi, vous cherchez la recette sur Google, vous allez trouver. Ou sur l'ancienne vidéo. Ouais, ou sur l'ancienne vidéo, il y a déjà la recette. Donc voilà. Eh les amis, j'en profite qu'ils soient à côté de moi, Jérémy. Est-ce que vous aimeriez qu'il s'exprime un petit peu plus sur la vidéo? Parce qu'il est un petit peu des fois, trop souvent en retrait, n'est-ce pas? Dites-le-moi en commentaire si vous voulez un petit peu le voir un peu plus présent. Pour faire l'intro, pour dire coucou les amis! si, non. Tout à l'heure j'ai dit viens, on fait l'intro, il commence à dire attends, je vais faire ci, attends, je vais faire ça. Vous voyez? Alors, tu vas t'exprimer un petit peu plus ou pas? C'est parce que moi je travaille la nuit, donc c'est pas facile. Arrête! Là, tu travailles pas, tu aurais pu prendre ton téléphone. Coucou les amis! Oui, mais je suis pas à l'aise comparé à toi. Bah, moi aussi, hein, je suis pas à l'aise. Est-ce que vous me trouvez à l'aise? Donc voilà les amis, donc du coup restez connectés. L'Enaya, elle s'est fait toute belle. Il essaye de trouver des excuses. Voilà. Donc voilà. Donc là, on va se prendre pour la journée avec ma famille comme d'habitude quoi. Bonne ambiance, voilà. Donc restez connectés les amis, surtout regardez la vidéo jusqu'au bout. On vous dit à tout à l'heure. Petit look de bébé Ewa. Bah oui, il est habillé tout en militaire mon fils. Regardez comment il est trop beau. Il est pas trop beau là? Waouh! T'es tout beau? Bah oui. Mignon? Oui! Ah! T'es tout mignon? Hein? On dirait un petit militaire. Ouais. T'es tout chou. Il est trop beau, mon bébé! Bah oui! Ouais. T'es tout chou. Comment te all fit? Du coup, t'es habillé comment là? Alors, j'ai une robe. Une robe. Parle normalement! Ouais, une robe pailletée. Elle a attaché ses cheveux. Et Loan, il est là, il est encore en pyjama. Tu vas aller te doucher un jour ou ça se passe comment? Et là, le cuistot, il commence. Hein, il commence. Ça, c'est son moment préféré, ça. Non. Si. C'est chiant de faire la cuisine. Non, c'est pas chiant. Mais bon, après au moins on mange bien. Bah oui, la tartiflette, hein? 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 T'aimes ça la tartiflette? Oui. Donc regardez le gâteau. Il reste là, plus de la moitié parce que les enfants hier ils ont pas tellement mangé. Donc il reste ça. Franchement, pour ceux qui n'ont pas mangé, pour ma famille, ils n'ont pas encore mangé. Mais là, franchement, il y en a beaucoup trop là. Il y a encore le prénom de l'Enaya. Et du coup, pour compléter le gâteau, on a pris une tarte fraise. 11,95 €. Et comme nous sommes gourmands, comme on va faire deux tartiflettes, on a pris en tout 4 fromages. Donc vous voyez, et là, il y a deux champomis pour ce midi. 2 kg de fromage, ouais.
Vous dire que là, pour faire attention à ce que je monte pour aujourd'hui, bah, c'est foutu. Hein? On va reprendre les bonnes habitudes à partir de lundi. Hein? Après, il ne faut pas se priver, il faut se faire plaisir de temps en temps, dans la limite. Quoi. Donc voilà. Du coup, pas de chichi, les amis, on a pris des. Eco Plus. Eco Plus. C'est ce qu'on avait fait en plus la dernière fois. Oui. Ouais, donc pas de chichi. Eco Plus, on va mettre tous les. Toute la crème liquide, ouais. Tous les lardons, tout le fromage, toutes les pommes de terre. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, c'est tout gras. Tout gras, tout gras. C'est dimanche. Ouais, tout est permis, c'est ça? Oui. Loan. Donc voilà. Donc, du coup, les amis, regardez, c'est bon, la garniture, elle est faite. Du coup, là, les pommes de terre, regardez, ça va. Je trouve que je les ai pas martyrisées. Ça va, ils sont en bon état. Donc là, du coup, on a juste à couper les pommes de terre et faire la garniture, les mettre dans le plat. Là, il y a déjà tout. Là, il y a le fromage, il y a les deux plats. On n'a plus qu'à tout mettre dedans et après, je vais vous montrer le résultat. Donc là, il est en train de placer la garniture sur les pommes de terre avant de mettre le fromage. Il est en mode concentré, là. Il y a déjà de la garniture en dessous, hein, c'est vraiment complet. Et voilà la première tartiflette. Donc là, moi, je suis posée derrière le bar. Je suis en train de le regarder faire. Ça fait du bien de ne pas faire à manger aujourd'hui. Un commentaire? Profites-en. Ouais. Applique-toi. Hein. Et ça coupe le fromage. Un homme en cuisine, c'est bizarre quand même. Hein. Bah. Ouais. Bah, en fait, c'est bizarre. C'est pas souvent que tu fais à manger. Voilà, c'est ça surtout. Donc, quand tu le fais, bah écoute, j'en profite pour te regarder faire. Profite. Parce que, en fait, quand à manger, c'est fait par quelqu'un d'autre, c'est meilleur. Que quand c'est toi qui passes le temps. Passe du temps. Ouais, bah oui. Alors que quand c'est fait par quelqu'un d'autre, je sais pas vous, mais moi, quand c'est fait par quelqu'un d'autre, j'arrive à bien manger, à bien déguster. Alors que quand c'est moi qui fais le repas, ouais, bof. Donc c'est pour ça que faudrait que tu fasses plus souvent à manger. Non mais c'est vrai, hein. Enfin quand t'es au repos, tu fais, faut faire. Comme ça moi. Bon, je suis tranquille. Parce qu'à la dernière fois, quand ton frère est venu, c'est toi qui avais fait la tartiflette. Et la dernière, il y a 3 semaines, 1 mois de ça, quand il y avait la famille qui sont venus, on l'avait fait à deux. Ouais. Et là, tu le fais tout seul, là. C'est bien. Ouais. En plus, là, Ewan, il dort, je peux t'aider, hein, mais non, en fait, non, tu le fais. Moi, j'ai fait le dessert. Pas fait le dessert. Les amis, dites-moi un petit peu en commentaire chez vous, c'est plus vous ou votre mari ou vos enfants qui fait à manger. Dites-moi un petit peu en commentaire, je suis curieuse de savoir un peu. Un petit peu. Et dites-moi aussi en commentaire, parce qu'en fait, nous, on s'est mis à faire des vlogs, mais je vois que quand même les vlogs, ils sont regardés. Mais j'aimerais bien avoir votre avis. Dites-nous aussi en commentaire si vous aimez ça sous format vlog ou vous regardez parce que vous nous aimez bien. Ça serait bien de savoir un petit peu, non? Ou si vous préférez qu'on fasse des routines ménage. Ou si vous préférez des routines ménage. Parce qu'on fait toujours le ménage, moi. On filme trop, quoi. Oui, voilà, le ménage, il est toujours fait, hein, mais on filme pas trop. Parce qu'en fait, il faut savoir que le routine ménage... c'est en fait faire les voix off, moi ça ouais, c'est vite tout long en fait.
Parce que Jérémy, lui, il fait pas les voix off. Donc, du coup, c'est moi qui fais les voix off tout le temps quand il y a le col, fait le ménage. Du coup, bah, ça me saoule un peu. Alors que là, le vlog, en fait, en soi, le vlog, c'est bien. Il n'y a pas trop de montage à faire où il y a des fois vraiment pas du tout juste faire des petites coupures ou raccourcir un petit peu la vidéo. Mais sinon, franchement, il n'y a pas trop de montage à faire quand c'est des vlogs. Donc, dites-nous un petit peu en commentaire quel format vous préférez. Routine ménage, vous êtes team plus routine ménage ou les vlogs? Comme ça, au moins, on sait un peu... on sait un petit peu ce que vous préférez. Concentré comme jamais. On finalise. Et voilà la deuxième. Mes deux bébés. Bon là, moi, je suis posée dans le canapé. L'homme, il est en cuisine. L'homme. The l'homme. Regardez. Il est là-bas, The l'homme. Il est en cuisine. Ça se passe? J'ai l'impression qu'il pèse plus que Evan à la naissance. Il est en cuisine. Voilà, ça fait du bien. Je suis posée, là. Je suis posée. Finalement, ma famille va arriver un peu plus tard que prévu. Donc, comme on n'a pas faim, on va attendre. Donc voilà, tout le monde s'est préparé, il ne devrait pas tarder à arriver. L'homme cuisinier. J'ai l'impression que les tartiflettes, elles pèsent plus lourd que bébé à la naissance. Bah, n'importe quoi. Je te jure. Ça veut dire... Ewan, il faisait 3 kg 400. 3 kg 400, franchement. Ah ouais, donc... Ah oui, ouais. Ah bah oui, hein, large. Wow. Non mais la comparaison, ça va pas ou quoi? Mais en prenant comme ça, j'ai vu. Tu vois ce qu'il raconte ton père, hein? C'est son pouce, regardez comment c'est mignon. Bébé. On est arrivé. C'est qui le costume? Regardez le ventre de ma soeur, là-dedans il y a deux bébés. Deux bébés. Bientôt je vais être encore maman, pour la 6e fois. Maman? Bah oui, c'est mes enfants aussi. Non, du coup, on a 7e. Tu t'entraînes? Arrête, Ewan. Non, mais t'es avec mon gamin là, qu'est-ce que tu fais? Désolé. Désolé, Ewan. Tu t'entraînes? C'était pas la même histoire hier, hein? Le changement du pyjama. Il a fait un cauchemar cette nuit. Notre table. Elle est là, mamie! Ça va? Ah là là, ça fait bizarre! Ah là là! Ça va, mamie? Retrouvaille! Ah là là! Bonne arrivée, mamie! Dis bonne arrivée à ta belle-mère, toi! Nicolas, t'as pas dit bonne arrivée. Ça a été dur, mais ça a été... C'est quoi, tonton? Mais c'est Rick, où est le chemise? Il a fait quoi, tonton? Genre, on va le mettre au four. Ouais. Elle est mignonne. Tonton, crumble, tonton, il a fait. Je vais déchirer la fourrure. Ah non, non, moi, le bras, il est mignonneux, ça. T'as fait des dégoûts comme ça? Tu coupes, ils vont goûter. Ouais. Tu veux que je fasse ça? Oui. Ça, c'est le kanda, non? Kanda, oui. Et là, c'est les pâtes d'arachide. Ah ouais. Ça te va? Ouais. Merci, Van. Ça fait bizarre, c'est moi. C'est mieux, moi. Hein? Ça fait bizarre, c'est moi. Mais moi, je suis contente de vous voir, hein. Bah oui, ça fait... On dirait que ça fait longtemps, là. Ah ouais. Mais c'est passé vite pour vous, hein. Ça va? Ça va, je suis pas trop... Je suis pas trop méfiée. Non. Ça va. Tu me fais là? Oh.
Ça sert un peu quand même. Un peu. Non, parce que le gars il est parti avec, c'est là que le frère de Jimmy a fait les réflexions parce que toi tu es matérialiste. Ah oui, parce que votre frère qui est resté en prison pendant combien de jours là, il ne proposait rien. Hein. Et tout ça, et ça l'a blessé. Parce que la vérité tue. Un gars il a fait son coup comme ça. Moi, c'est à cause de toi qu'il fait ça. Tonton il a fait crumble, mon tonton. Franchement ça a l'air trop bon. Ouais, tu vas pas te brûler là comme ça? Non, c'est bien, c'est un carême. Quand c'est chaud, il prend avec les mains, mais quand c'est chaud, il prend avec les mains. Non, mais là, c'est chaud, c'est pas moi. Entraînement, c'est bien l'entraînement, c'est bien. Maintenant, faut le prendre pour la nuit. C'est mieux la nuit. Première fois, hein. On va voir Avatar déjà, ça sera déjà un grand pas. Ouais. Oh là là. Ah oui. Oh, on n'a pas. Eh, hey, il m'a parlé ça ce matin encore, hein. Oh là là, ça m'embête, Avatar. Oh. Non, bah, tu peux y aller, moi je m'en fiche. Hein. Les gâteaux, les moitiés, vous avez mangé déjà. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Lenaya. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Lenaya. Happy birthday to you. T'as vu Nicolas? Regardez à qui. Elle est rentrée. Elle est rentrée. Bonjour, mamie. Tout le monde. Elle est rentrée ce matin, mamie. Je suis rentrée ce matin. Voilà. Le voyage est bien passé, les amis. Elle est rentrée à 5h du matin, mamie. Voilà. Elle est arrivée à 5h du matin. Elle est un peu fatiguée, mais ça va aller. Ouais. Ouais. Son voyage s'est bien passé. Voilà. Donc là, elle est contente de rentrer à la maison. Voilà. Dans le froid, voilà. Dans le froid, en Afrique, c'est la fête. Hein. C'est la fête. Tu passes de combien à combien de degrés là? Là-bas, il fait 7h du matin, il fait déjà 25 degrés. Voilà, de 25 à. On est, il fait combien là? 6? Là, les 8h jusqu'à 9h, c'est ça. Mais après, ça, c'est 35, ah ouais, 40 non. degrés. Hein. Là, c'est saison sèche en ce moment. Mmh. Voilà. Donc, mamie, elle a passé un bon voyage. Tout voilà. s'est bien passé. Mmh. Elle est de retour. Voilà. On va pouvoir faire des vlogs, mamie. C'est ça. Mais elle est morte. Eh, j'ai dit à mamie, on va pouvoir faire des vlogs. Elle a dit, oui, c'est ça. J'ai pensé à ça. Là-bas, je peux même pas. Là, t'as coupé, là. Non. Là-bas, je peux même pas regarder votre. Bah non, là-bas, Internet, déjà pour brancher ton téléphone. Ah non, mais je dis, Laetitia, elle a dit. Laetitia, elle doit dire, mais j'ai plus de nouvelles.